Bon, pensez à pique-nuage, puis ça fait tout net. Là, regardez pas le ménage, c'est le bordel. Là, j'ai de l'aluminium ici, c'est une cintreuse. Là, j'ai fait un. Je me suis dit, ben, ça, c'est tellement léger, là. Ça fait un beau petit trailer à fait tout net, c'est pas pesant. On va essayer comme ça. Bon, là, je suis rendu là. J'ai fait un cadre en aluminium. Là, je suis rendu à mesurer la cintreuse. J'appelle ça un bender. On appelle ça un bender, nous autres. En électricité, on appelle ça un bender. Et voilà. Alors, je vais le couper. Je vais le mesurer, là. Je vais le couper. Je vais mettre une vue à l'intérieur avec deux rivets, probablement. Puis après ça, ça va faire le cadre. Après ça, il va me rester à faire la pole. Puis mettre deux roues à l'extrémité. Bon. Je n'ai pas filmé toutes les étapes, là, mais j'ai fait le petit trailer. Presque fini. Regarde. Dans le fond, là, il manquerait, moi je verrais ça comme ça, là, un corps à place avec des tie wraps. Puis pour que ça se range bien, garde des trous sur des rings. Okay? Pour que ça se range bien, j'ai fait la pôle comme ça. Yeah. Ça se défait. Fait que ça se range bien dans l'avion. Ça, je pense que oui aussi. Puis là, regarde ça. Ça va de même. Ici, il y a des trous. Petits trous. Il suffit d'aligner les petits trous. Mais avant ça, c'est. Ça marche par compression, un principe de coincement, je pourrais dire. Ça s'en va là, en dessous. Regardez, c'est courbé. Ça rentre là. Oh, ici. Ça tient là, ici, ou l'essieu. Voilà. Ici, faut aligner les petits trous. Cutter pin. Une petite pin comme ça. Mais ça là, peut-être que ça prend des bons yeux, je ne sais pas. Oh non, tiens, ça se fait bien. Puis là, la pin, elle tient ça. Puis, étant donné que c'est courbé, ça tient aussi là, dans la courbure. La courbure fait que ça ne veut pas trop aller ses côtés. Mais regarde, on s'entend, ce n'est pas super solide là. C'est un trailer à trottinette. Là, combien ça peut peser cette affaire-là? Je ne sais pas. Faudrait que je le pèse. Je vais le peser. Puis, je vais vous donner des nouvelles de ça. Après ça, ce qui restera à faire ici, là, c'est percer le trou. C'est ça sur la trottinette. Honnêtement, je pense que ça ferait le travail. Évidemment, c'est pas une question de rapport poids-solidité. Pas évident. Je peux peut-être courber ça ici un petit peu. Que ça la cote sur la trottinette, un peu plus bas. Ça sera à voir, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai relevé le défi.